les clés de l'étude. Classe comptable studieuse à grand popo pour ces cadres du staff dirigeant de la SBEE, société publique, seule distributrice de l'énergie électrique au Bénin. Loin de leur bureau de Cotonou, un expert est sollicité à remettre les pendules à l'heure, notamment dans des pratiques comptables peu orthodoxes. Il y a une méconnaissance des tests et aussi une absence de compréhension des rôles. À la lumière des discussions, on découvre qu'à la SB2E, la mauvaise gestion dépend autant des fonctionnaires que de la main invisible du politique. En dehors des ingérences du politique qui gênent un peu le bon fonctionnement de l'entreprise, il y a un problème d'organisation au niveau de l'entreprise qu'il faut corriger, il y a un problème de formation, la question du profil des hommes au niveau des postes de responsabilité. L'expert préconise d'emblée la privatisation. Les visages se crispent, mais le président du conseil d'administration relativise avec l'exemple d'Hydro-Québec, entreprise publique québécoise sauvée de la banqueroute. Si j'ai cité le cadre d'Hydro-Québec, c'est qu'à un moment donné, et ce cadre a recommandé que l'État le laisse la main libre. Et ça permet à l'entreprise aujourd'hui d'être performante, bien qu'elle demeure une entreprise d'État. Reste pour la SB2E à passer des recommandations souvent vœux pieux aux actions décisives.